À toutes et à tous, aujourd'hui avec mon pote, Salut. je vais vous présenter une application qui permet de contrôler un écran, tablette, ordinateur ou autre de quelqu'un qui est connecté à un réseau. Donc vous pouvez après faire ce que vous voulez sur l'écran de votre pote, votre frère ou autre, comme installer des applications, les ouvrir, jouer. Donc d'abord, vous allez devoir aller sur Play Store. Ensuite, vous allez d'abord, pour votre écran, vous allez taper Team Joueur for Remote Control, le premier. Bon, moi, je l'ai déjà installé. Vous l'installez. Puis vous marquez Ouvrir. Ça vous donnera cette interface. Donc, il y a ID. On doit mettre un ID. Pour ça, vous devrez mettre l'ID de l'écran de votre frère ou autre, quelqu'un d'autre. Donc pour ça, vous allez devoir aller sur l'écran de l'autre personne. Et vous allez devoir installer l'application Quick Support. Vous allez retourner sur Play Store. Vous allez marquer Quick Support. Donc, Quick Support, le second. Et puis après, il y a pour toutes les versions. Donc, si c'est une Samsung, si c'est une Arcos et tout. Donc, vous pouvez installer le premier. Et donc, vous mettez installer. Donc, moi, j'ai une autre version. Donc, en gros, dès que vous l'installez. Si ce n'est pas la bonne, ils vous demanderont de pouvoir télécharger un supplément. Donc, je vais faire un exemple avec mon pote. Oui, ouais. C'est Donc, parti. je vais entrer son ID. Je dois entrer un mot de passe. Je vais entrer le mot de passe. Normalement, si je me suis pas trompé, continuer. Et je suis arrivé Et sur son voilà, écran. salut, c'est moi. Donc après, je peux bouger sa souris. Donc par exemple, je vais aller tiens, sur Minecraft. Je peux très bien accéder aux applications. Voilà. Donc c'était une vidéo pour présenter une application qui vous permet de aller sur les écrans des autres. Et bah voilà, la vidéo est terminée. Donc on vous dit au revoir. Ouais, au revoir, Bye. ciao!